Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera un petit haul action et deux trois achats que j'ai fait à Carrefour Scrap. Voilà. Donc, pour action, donc je me suis repris. Donc, on a été aujourd'hui. J'ai été avec ma soeur, comme on est parti voir ma maman. Et du coup, son action dans sa région était ouverte. Pourtant, sur le site, c'était marqué que non, mais finalement, il était ouvert, donc on était contente. Donc, je me suis pris de la Takikbu, donc j'ai pris deux pots, j'en avais plus. J'ai repris des petites bougies comme ça, parce que je vais faire des petits cadeaux, voilà, avec mes petites boîtes à bougies que j'ai fabriquées. Voilà. Donc, je suis contente, j'ai retrouvé ce bloc-là, vous savez, les feuilles noires. Craft et blanche. Attendez, je vous montre. Donc il y a les épaisses, il y a les épaisses et les plus fines. Donc j'ai pris deux blocs comme ça. J'ai trouvé du adhésif cardstock. Voilà, adhésif cardstock. Donc j'ai pris dans les tons rouges. Je me dis bon, pour les créas de Noël, ça peut être sympa. Donc c'est un peu glacé. Et a priori c'est autocollant, je crois. Ouais, on dirait hein. Apparemment ce qui monte sur la couverture. Voilà. Pour toujours pour mes créas de Noël, donc ça j'ai pris des petits diamants qu'on peut détacher. Donc, je pense qu'on peut s'amuser à les détacher et puis à couler. Donc ça fait pas mal de petits strass rouges parce que j'avais vraiment rien en strass en rouge pour Noël, j'avais rien. Toujours pour faire mes créas de Noël. J'ai repris du papier cardstock, enfin glitter et fait brillant. Donc là, j'aime beaucoup utiliser. Bon, le violet, peut-être pas trop, mais il y a de l'argenté et puis du doré. Des sets de cartes et enveloppes. Toujours dans le craft, j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, pareil, un petit bloc de paper glitter là, je sais pas comment ils appellent ça, paper block avec un peu pailleté. Donc après il peut avoir des couleurs sympas pour Noël. À double face, des rubans un peu vintage. Alors c'est la première fois que je les voyais, donc j'étais contente. Donc j'ai pris dans ces couleurs là que j'aimais beaucoup. Voilà. Donc là un peu crème. Crème, vert, un espèce de parme. Alors ça fait assez vintage, c'est très joli. Voilà. Bon, pour ce qui est action, et puis ça, ce petit ruban-là aussi, toujours pour les créas de Noël. Voilà, du petit dadivis avec des petites perles. Et à niveau de Carrefour, donc j'ai trouvé une boîte de petits sequins flocons de neige de toutes les couleurs. Voilà, donc pareil dans le loisir créatif pour Noël. Et j'avais pris ces tampons très jolis de Noël. Donc j'adore le Père Noël, le sapin, il y a la cloche. Voilà, donc là ils étaient, les sets de tampons sont à 2,50 €. 2 euros, oui c'est ça, 2,50 €. Là le joyeux Noël, j'en avais pas. Et puis le bonhomme de neige qui est très joli. Donc j'ai une idée de carte que j'ai vue par rapport à un tuto. Et je pense que je vais utiliser ces tampons-là. Autrement, je voulais quand même vous présenter un petit peu mon petit December Daily. Voilà, que je fais. Donc j'ai utilisé en fait un des dies qui a été vendu chez Action là. Donc j'avais découpé bah, 24, oui, 24 feuilles. Donc là, je commence à faire mon petit December Daily. Donc j'imprime des images avec ma péripage. Et puis après, je décore. Voilà. Donc après, ça peut vous donner une idée. Moi, je fais comme ça. Après, il y a différentes idées de December Daily. Donc là, je suis partie sur le plus simple parce que c'est mon premier. Ah, là, ça m'a été collé. Donc voilà. Donc je mets à peu près ce que j'ai fait dans la journée. J'essaie de faire ça. Après, s'il n'y a rien de particulier, je ferai des petits thèmes. Thème gnome ou thème recette de Noël. Voilà. Donc là, j'ai le 4, le 5 et le 6 à faire. J'ai pas fait.
Et vous voyez, j'ai pris les papiers de déco de Noël. Donc, et j'ai attaché avec des petits anneaux. Et puis là, je me suis servi d'un petit die boule de Noël pour le décorer. Voilà. Donc après, si ça peut vous donner des petites idées. Et bon, pour ma prochaine vidéo, je pense que je vais faire un petit tuto. Donc j'espère pouvoir le faire dans la semaine. Après, j'ai deux tutos que je voudrais vous faire. Donc un tuto déco de Noël de table et un autre mes petites boîtes à bougies. Je voudrais donc j'ai suivi d'après un autre tuto mais j'ai refait un petit peu à ma sauce. Voilà. Donc je vous montrerai ça et puis je vous dis bonne création, bon préparatif pour les fêtes. Et puis j'espère que mes petits achats, bon, ça vous donnera des petites idées. Donc j'étais contente de retrouver mes blocs parce que j'en avais besoin pour mes créations. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine fois. Pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine fois.